Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adoptée, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à quatre pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord de pas de plus l'aimer, puis je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Et au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'un an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Si on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse, fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne peut pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée. Je savais plus. C'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre. Donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que c'est ça, je me disais comment elle va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que c'est... Moi, je le recommande à tout le monde, là.
Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire, va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Des jours au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec les. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer puis que t'es comme si t'étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doit faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est un peu c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, tu sais, ça remplace bien le présentiel. En étant en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna. Étais-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi. En faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule, puis que tu n'étais pas là, ben, tu sais, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. De réussir à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Tout de suite, la visite, on a remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu de on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus. C'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, ben je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement. Non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, ben, si j'étais mal pris, ben, je savais que je pouvais t'écrire puis que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la perme, là, j'ai senti que t'avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, ben, je l'apprécie beaucoup. Le premier contact a été bon. J'aimais ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin de l'aide, d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand il voit des gens. C'est le résultat que moi, j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ben, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que t'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'en recherchais.
Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Chers parents de chiens, si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici deux questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces deux questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe, parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.